monde, c'est Lucas Collin, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite, la saison 8, donc qui est sortie il y a quelques jours. Donc je vous montrais un de mes top 1, donc c'est pas mon premier top 1, mais c'est un top 1 quand même que je voulais montrer parce que j'ai trouvé pas mal franchement. Donc ouais, bon là la game se lance. Je vais vous le présenter, donc je vous dis que vu qu'au début je fais pas trop de kills, je sais plus trop où j'ai sauté. Même sauf que j'ai sauté à Tilted, mais on verra. Donc ouais, je suis tout à fait dead. Donc je vais vous présenter ma game. Bon, le début il se passe rien, donc je vais accélérer. Donc là la traînée est un peu buggée. Bon alors là j'accélère le temps qu'il atterrit. Pourquoi je le vois pas? Ah si, c'est bon. Waouh. Voilà, mais bon, vous voyez c'est pas mon premier top 1 de la saison. Ouais, j'ai déjà le planeur du coup. Là il me semble que j'atterris. Bon, par contre je sais plus du tout est-ce que j'ai fait les kills. Combien de kills j'ai fait. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de kills que j'ai fait mais qui n'ont pas été comptés. Parce que, enfin, je veux dire, genre, j'ai enfermé des gens dans la zone ou genre j'en ai fait tomber de dégâts chutes qui ne sont pas comptés. Il y en a quelques-uns comme ça. Ouais. Bon, le début, c'est le pire début de game possible. Donc, je vais accélérer. Voilà, là, j'ai ma première arme. Là, je vois un mec. Bon, le mec, vu qu'il a vu que j'avais une arme, en gros, il s'est barré. Ce qui est normal, ce que tout le monde aurait fait. Là. Bon là je galère à viser, je sais plus ce que j'ai fait, j'étais hyper nul. Ouais bon voilà. Là bah je le tue. Premier kill. Bon c'est pas le meilleur kill du monde hein, parce que là je savais pas viser. Là je l'ai touché. Là hop. Petite balle là, dans la jambe. Bon le mec là je crois qu'il a quitté parce que j'avais pas vu, j'avais vu. Personne ne me regarde dans le chat. Je sais pas si on peut voir ce qu'il y avait dans le chat. Non. Bon, voilà, il y a beaucoup de bruit, donc je vais parler fort parce qu'il y a les feux d'artifice qui gênent. Vous voyez la magnifique pioche là que j'ai débloquée, c'est celle de du pirate, je crois. Du pirate ou du ninja. Ouais, là, je campais un peu, parce qu'en fait, en même temps, je regardais des... Je regardais un truc, j'ai reçu un message, je crois, comme d'hab. Voilà, donc là, en gros, je suis avec mon frère. Donc là, je sais pas si on peut voir. Mais dans la game, vous verrez que j'étais en gameplay avec mon frère. Donc c'est celui. Là, je crois qu'il est mort. Ouais, il est mort, mon frère, là. Ah non. Ouais, bon, on verra. Je crois, ouais. Et mon frère est mort, ça se voit parce que c'est marqué dans les L, Lucas Nico, il n'y a rien. Dans ma team. Team 5 en plus. Non, faut pas. Oh, faut pas que vous voyez les kills. C'est pas bien. Ouais, là j'utilise mes répus, là je me suis totalement fail. En plus j'en avais plein des répus. Donc je vais accélérer. Ouais, là je m'amuse. Le planeur du top 1 c'est celui-là, celui que j'ai. Donc ça c'est une petite vidéo tranquille, j'ai déjà fait des vidéos comme ça, je vous présente mes top 1. Mais voilà. Ah là il y avait des mecs. Là il y avait des mecs, je me souviens de ce fight. Attendez, je vais repasser en mode normal. Là je l'ai touché mais je lui ai mis pas beaucoup de vie, à moins 20 je crois. Donc là je tente les feux d'artifice, mais là j'ai pas compris, les feux d'artifice ils font pas de dégâts à la construit. Vous avez vu les feux d'artifice ils ont fait 0 dégâts à la construit. C'est chelou ça par contre. Je te voulais donc claquer un deuxième. Le deuxième que j'aurais voulu garder pour le mettre en bas. Bon là il a pété mais il avait oublié que j'avais un jetpack. Là ils sont deux. Donc là c'était un vraiment chaud. Bon, j'ai pas mis le skin de la saison 8, j'ai mis skin aléatoire et je suis tombé sur Calamité. En plus c'est en vrai il est stylé ce skin. Là je monte, là je rate mes balles, là j'ai fait n'importe quoi. Là je vois que mon jetpack est mort. Je me suis dit non, je suis mort et là. Bon, je le mets KO, je le finis. C'est dommage que je peux pas avoir quand je mets KO les gens. Je le finis, là le mec. Là je le rate, je le touche. Très. Ah non, très. Boum. Quatrième kill. Mais là, ouais. Bon désolé pour le bruit, c'est le jetpack qui bug. Là, le mec, j'ai jamais eu. Ouais. Jamais aussi peur. Là, il y a deux mecs qui viennent sur moi. Un qui meurt. C'est pas moi qui l'a tué, malheureusement. Je me suis dit, hop, je me barre tout de suite parce qu'ils étaient deux et j'avais plus de vie. On peut pas avoir la vie, c'est dommage, mais il me semble que j'avais au moins, je sais pas, 30 points de vie. J'avais rien du tout. Donc voilà. Bon, du coup, là, je vais accélérer un peu. Ok, donc là, on va arriver au prochain fight. Donc là je prends la tyrolienne, je me dis ouais je vais attendre un peu sur la base. Parce que là en fait sur la map il y a une base, bon là ça se voit pas mais j'avais fait hop. Voilà.
J'ai prévu de farm un peu risque de la colline. Et là, regardez ça. Oh, des explosions dans la base. Du coup, bah, je me dis, j'hésite un peu si je vais les tuer ou pas. Donc, du coup, bah, là, je me suis complètement fail. Ah oui, non, la porte elle est fermée. Enfin, elle est ouverte, c'est un peu graphique. Oh, dommage. Bon, bah, là, je tire du coup. Donc là, les greux, elles sont buggées. Enfin, la porte, elle est buggée. C'est dommage. C'est dommage. Il faudrait qu'ils fassent une amélioration sur le mode de diffusion parce qu'il est buggé. Et là, je vois deux mecs dans mon dos. Je me suis dit, oh non. D'ailleurs, qu'ils sont buggés aussi. Là, du coup, bah, là, en temps normal, je les aurais tués. Mais là, j'ai plus du tout de vie. Donc, bah, je me suis barré, malheureusement. Là, il y en a qui me disent, je me suis dit, oh non, je vais mourir. Du coup, bah, là, je... Là par contre j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai volé et j'ai eu de la chance que mon jetpack a tenu. J'essaie de le ouais de le faire venir mais là regardez. Mon jetpack là il n'y a plus de vie, j'ai eu beaucoup de chance. La vie du jetpack c'est ça. Hein. Voilà. Bon, c'est dommage que je peux avoir mes items. J'avais que des pompes comme ça là, des pompes. Les nouveaux pompes comme vous dites. Moi je dis pas trop. Donc ouais, là j'attends un peu. En fait j'avais peur parce qu'il y avait d'autres gens dans le château. Ah non. Enfin, j'entendais des gens, mais en fait, c'était barré hein, sur la colline. D'ailleurs, pendant que moi je fais mes bails là, je vais regarder un peu ce qu'ils font les autres. Ok, donc là, je suis retourné en arrière. Là, c'est quand je me barre, je suis juste là. Là, je saute. Je vais regarder un peu le fight qu'ils ont fait parce que eux, ils sont quand même fight un peu. J'aimerais bien voir qui a gagné parce que les deux avaient l'air chaud. Okay. Ah, ouais, d'accord, ils les ont déchirés. Ah, ouais, ils sont même pas dans la même équipe. Ah, ouais, donc ce serait lui qui aurait tout gagné. Pas mal, pas mal. Bon, je pensais qu'ils étaient deux dans la même équipe, mais en fait, non. Donc, bah, voilà. Ah, il y a un mec là. Oui, donc ça, c'est le mec qui m'a poursuivi, je crois. Bon, c'était un Barbie, hein. J'aurais dû le tuer. Mais bon, j'avais plus de vie. Donc, voilà, je vais reprendre mon gameplay. Et là, je découvre une boîte avec Masmonde dedans. Regardez-moi ça. Là, je me suis dit, oh non, c'est le fight, là, j'ai plus de vie, je vais mourir. Parce que je rappelle que là, j'ai plus de vie. Enfin, j'en ai gagné un peu, 60, il me semble. Là, je dois avoir 60 de vie. Ou je crois, je sais plus, je crois que j'avais bu un bluffage avant. Mais ils étaient deux, donc je décidais de me barrer, de camper un peu. Là, je faisais très attention parce que, encore une fois, je croyais qu'il y avait des gens ici. Parce que, en fait, j'avais pas les infos de tout le monde, mais... ouais, j'ai pas de les infos de tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus moi 10. Ah non, bah, j'avais les infos de tout le monde, finalement. Mais bon, j'avais pas retenu. Ouais, en gros, il y avait un... Ah ouais, il y avait un mec juste là, quand même. Ouais, ça, je m'en souviens de ce moment. Là, j'attends très longtemps. Et donc là, j'ai vu la zone arriver. Et je croyais que le mec était encore là, donc je me suis dit, oh, je suis mort, c'est mort, je vais jamais y arriver. Mais finalement, il était parti. Là, je rappelle qu'il y a 6 mecs, 4 kills. 6 mecs, 4 kills, et dont. Donc là, je regardais pas trop ce qui se passait. Enfin, là, j'avais oublié les infos. Je m'étais focalisé sur le moment où il fallait camper là. Je me suis dit, objectif, camper à fond. C'est parti. On se la joue Bambi. Et donc, c'est bien sur la map saison 8, hein, pour vous le prouver. Regardez-moi ça. Waouh. Bon, c'est mon deuxième top 1 de la saison 8, du coup, en duo. Parce que c'était en duo coup de pompe, si vous voulez savoir. Donc, en mode coup de pompe. Et pour une fois, c'est pas un top 1 Skybase, parce que généralement, c'est full top 1 Skybase, les top 1 coup de pompe. Et là, pour une fois, non. Là, je vois deux mecs, et je vois la zone que je n'ai pas. Donc du coup, bah, qu'est-ce que je me dis? Forcément, on va camper, hein. On va faire le petit Bambi, on va camper. Donc là, j'attends là, je m'éloigne de la zone. J'attends longtemps ici. Là, c'est très long. Ah ouais, heureusement que je suis pas allé parce que regardez. Attendez, attendez. Vous avez vu? Vous avez vu ou pas? Attendez, je vais vous mettre un extrait en arrière. Heureusement que je suis allé là parce que... attendez, je vais ralentir. Il y a un mec. Regardez bien que le mec creuse sur la carte là-haut. Regardez juste là. Il est passé juste à côté de moi. Enfin, en gros, j'aurais pu passer là. Et là, bim, il passe à côté de moi. Donc, en gros, il aurait pu vraiment me tuer.
Donc j'ai eu beaucoup de chance. Hein. Donc là, 4 mecs. Bon, allez, je vous le dis. Dans les 4 mecs, je suis en top 3. Une team de 2 et deux teams de 1. Dans les deux teams de 1, il y a moi et un autre mec. Parce que je rappelle, Nicolas est mort au début de game. Et donc là, je vois le mec, un mec. Là, je me suis dit, oh, il m'a pas vu, je suis trop bien, je vais pouvoir le faire. Mais nanana, c'est mort. Bien sûr qu'il m'avait vu. Du coup, la technique du Bambi, on fuit. J'étais vraiment un Bambi à la fin. Bref. Là, j'ai raté ma balle, j'étais deg. Là, je me suis dit, non, je suis mort, il va mettre un piège à 100%. Là, je sais pas ce que j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait du caca. Le mur en pierre, c'était pas moi, dites pas, enfin, je veux dire, je pouvais pas l'édit. Sinon, je l'aurais tué dès le début. Et là, devinez combien d'HP je lui ai mis, combien de moins d'HP je lui ai mis. Je lui ai mis un moins 7, il est mort. J'ai jamais été aussi chanceux. Un moins 7, les gens, quoi. Regardez là, le kill sous un autre angle, ce que ça fait. Le mec, il va arriver là. Waouh. Il reste encore 3 mecs. Mais où sont-ils? Ah, mais ils ne sont pas ici. Ils ne campent pas. Où ils sont? Ah! Donc là, j'ai mis longtemps à comprendre qu'ils étaient en haut. Parce que j'ai cherché partout. Ils sont juste là, les deux derniers. Donc voilà, j'avais pas vu leur skin. Deux ninjas en plus. Donc voilà, ils se baladent tranquille. Pendant que moi... Oula, il est tombé, lui. Pendant que moi, je suis en bas, je les cherche. Regardez-moi. J'aurais pu prendre le loot, d'ailleurs. Je sais pas ce que j'ai fait. J'aurais pu prendre le loot. Là, ouais, là, je les avais vus. Ah non, je les cherchais, là. Là, je les cherchais, j'étais en tremplin. Là, oui, c'est moi, hein, la calamité. Waouh. Donc là, le gameplay... Je retourne sur le gameplay. Là, du coup, je voyais pas où ils étaient. Je me suis dit, ah, ils sont là 100% et campés. Ils se cachaient près de la zone. Mais non, ils étaient en l'air. Bon, bah, vous savez ce que ça veut dire. Un petit accéléré, le temps que je trouve où ils sont. Là, chercher. Et là, j'ai vu qu'ils étaient en l'air. Là, par contre, j'ai fait n'importe quoi. Là, du coup, je vois qu'ils sont là. Je savais pas du tout quoi faire. Soit j'attends, je prends la zone. Je sais pas du tout. Donc là, je décide d'aller vers la zone quand même. Je farme un peu au passage. Et là. Donc là, je décide de monter, d'aller les rush. Mais là, j'avais très peur en fait qu'ils me sautent dessus. C'est pour ça. Parce que généralement, si t'es en 2 contre 2, bah là, ça va parce qu'il y en a un qui surveille en l'air et il y en a un qui construit. Donc s'il y en a un, il se fait prévenir. Mais là, bah. Malheureusement, j'étais tout seul. Donc là, j'attendais soit qu'ils descendaient. Sans que j'avais plus de jetpack. Hein, donc je tombais. Ah non, j'avais des planeurs. J'avais des planeurs en rechange, du coup je pouvais tomber. Bon, là je faisais des 90. Bon, là je décide de tomber parce que bah il y avait la zone et puis sinon j'avais pas envie de mourir. Là les mecs, en plus ils avaient beaucoup de construits. Hein. Ils avaient beaucoup de construits. Là la zone elle est de plus en plus petite. Mais là je suis sûr il manquait rien et là c'est la chute malheureusement. Donc je reste en planeur. Je reste en planeur, mais c'est la chute. Donc j'étais deck, je pouvais pas les fight. Mais bon, heureusement finalement. Heureusement que je pouvais pas les fight. Donc là, la zone elle est vraiment petite. Mais petite, petite. Là en fait, je voulais me protéger, mais je me suis complètement fail. Parce qu'en fait, je me suis bloqué tout seul. Du coup, j'ai failli mourir de la zone. Parce que la zone elle faisait très mal. Et si je m'étais pris les dégâts de la zone, je serais mort. Là, je suis tout petit, je regarde en l'air. Je regarde en bas, ne veux jamais regarder en bas. Oh non, il m'a rush. Là, je le mets low. Une deuxième balle qui passe, mais qui l'a pas tué. Et là, boum, le mec qui tombe, qui prend un tout petit peu de dégâts chute et qui meurt par la zone. Po, top 1. En plus, j'avais 60 PV et full shield. Donc, c'est le deuxième top 1 de la saison. Donc, on peut dire que j'ai fait... Bah, j'ai fait 5 kills, mais on peut dire que j'ai fait 6... 7 kills parce que les derniers ils sont un peu mourus tout seuls. Ça se dit pas non plus, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était pour le top 1 que je voulais vous montrer. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et sur ce, c'était Lucas Cola plus.